Cher ami, salut, salut, c'est le banane de Yingui. Alors, je suis obligé de faire une vidéo là rapidement parce qu'il y a une information très urgente qui nous parvient là à partir du Cameroun sur un autre accident du BIR qui, cette fois-ci, a fait beaucoup de blessés graves et de morts. Alors, voilà un pays où nous vivons chaque jour et nous côtoyons la mort au quotidien. Et où les responsables ne font absolument rien pour protéger la vie des Camerounais, militaires comme civils. Ils meurent comme des animaux, comme des ânes, comme des moutons qu'on envoie à l'abattoir. Voilà donc ce camion-là, une vidéo qui vient d'être libérée sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui montre ces militaires en détresse. Ces jeunes Camerounais qui vraisemblablement sont dans le front du Nord-Ouest, au niveau du Nord-Ouest, où il y a eu sept autres accidents en une semaine. Voilà deux accidents très graves concernant le BIR. On a l'impression que celui qui les conduit, en fait, que c'est l'ennemi qui les conduit. Je ne sais pas. Qui est l'ennemi? Je ne sais pas. Voilà donc des Camerounais. Alors qu'on dit qu'on va fêter l'unité nationale, on va fêter le patriotisme et l'unité nationale. Voilà des Camerounais qui nous quittent. Il y a des Camerounais qui sont blessés. Il y a des civils qui sont blessés. Il y a des frères qui ont porté des armes contre d'autres frères. Ça demande vraiment un temps de réflexion pour savoir où est-ce qu'on va avec cette nation. Rien ne marche. Parce que nos frères militaires, j'en parle souvent, lorsque les civils se mettent à protester sur les conditions des routes, sur l'état des véhicules, sur les moyens que le gouvernement met pour le fonctionnement du pays, vous êtes les premiers à les tabasser. Mais vous oubliez que vous êtes humain. Vous oubliez qu'avant de porter la tenue, vous étiez aussi des civils. Et que vous demeurez des êtres humains, malgré tout. Donc ce qui arrive aux autres peut vous arriver aussi. Et donc voilà un autre camion qui a fait un accident. On ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Où c'est la magie, où c'est quoi? Franchement, de grâce, arrêtons cette guerre inutile. De grâce, arrêtons cette guerre fratricide. Arrêtons cette guerre sans qui n'a pas de sens. Donc c'est mon message aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Vous allez, je ne sais pas si vous avez reçu la vidéo, mais regardez sur les réseaux sociaux. Vous allez la voir là-bas. C'est le banane de Yingui. J'attends vos commentaires, partagez, aimez la vidéo. Merci.